Bonjour à toutes les brodines, bonjour à tous les brodeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on va tester la fameuse Team Cyborg, ma nouvelle team préférée en challenge à Kaishin. On va affronter Beerus, qui, je vous rappelle, a deux phases, phase intelligence, puis phase puissance. Comme j'ai dit à maintes reprises, la Team Cyborg là, régale les amis. Elle régale fortement. Si c'est 16 n'active pas sa garde, c'est le décès. Donc on va faire ça. Alors, on va laisser... Bon, je crois qu'on n'a pas trop le choix là. On va tenter le nouveau item. On va voir comment se comporte... Aïe, 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 l'aspect direct par Bibi. Ça va faire mal un peu quand même. Ouf. Ouf. Ah oui, effectivement, dès le début comme ça, ah ouais, ah ouais, ah la galère directe, c'est incroyable. Hein. Faut qu'il tienne, maintenant il faut que Super C16 active la garde, sinon, ah... Ah non, même pas la garde activée. Ah ouais. Ok. On se soigne. Bah là, on va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va temporiser. Hey, Beerus, dégage. Il nous a fait très très mal là. Hein. On va essayer de se soigner avec l'équipe de couleur, les amis. Bon, après, on ne craint pas les attaques SP, mais... Vu que je sais pas à quel endroit il va l'envoyer. Alors je vais essayer de récupérer tout cela. Voilà. Là les amis, on va envoyer la patate douce. Là on va faire mal. Il faut qu'il se transforme. Je pense qu'une fois transformé, on aura un peu plus de facilité parce que là la phase d'intelligence peut nous poser problème. Millions. Allez, faut que ça crit. Faut qu'il double SP aussi. Oh, pas mal. Oh, la double SP. On est pas mal. Là, je pense que la jauge furie, elle va s'activer. Pouah, même lui, 4 millions. 4 millions. Hop là, la jauge est remplie, les amis. Bon, je suis mid-life quand même. Ne faut pas vendre la peau de l'ours. Ok, là, full agilité. C'est 92 000. Hein. Où est-ce qu'il va balancer sa spé, ce fourbe? Je vais quand même claquer un petit item. Parce que le décès est très proche. Alors, on va laisser tous les kivers pour le C17, C18. Pendant que les cyborgs soulève notre petit Akaishin Beerus. Le petit pouce bleu soutien les amis, le petit abonnement sur YouTube si vous êtes nouveau, n'hésitez pas également à me suivre sur Twitch. Le lien se trouve comme d'habitude dans la description. Aïe aïe aïe, c'est le super non, c'est le C13 qui va se manger l'aspect. On n'a plus beaucoup de PV là. Ça commence à être un petit peu juste. Voilà, non, en théorie on devrait survivre. Non, il part pas deux fois en SP. Ouais, il misait contre tout, mais il va pas partir deux fois en SP. Putain, c'est dommage qu'on puisse pas détecter l'aspect là. J'étais obligé de dégager C13. Enfin, C14 et 15. Parce que ici, C14 et 15, aucune chance, quoi. Bon, il me reste 50 000 PV. Bon, si m'envoie l'aspect, ça m'arrange en vrai. Alors là, si on n'a pas la garde activée, c'est finito. Bon, l'aspect, ce serait bien au début. Non, pas de spé. Ah, ça m'arrangerait tellement qu'il envoie l'aspect au début là.
Bon, il est quasiment mid-life. Double SP, les amis. Ah non, mais ce LR. On dirait un LR. Hein. Mais ce duo là. Enfin, ouais. C'est vraiment. Ça doit être quand même. Enfin, je trouve que c'est l'un des meilleurs LR de cette année. Hein. Bon, évidemment, le Cyborg, sans son meilleur. Enfin, sans son Link Body, il est moins impressionnant. Bon, Lee Midlife. La question, c'est est-ce qu'on va survivre ici? J'espère qu'il va activer la garde. Il a 50% de chances d'activer la garde. S'il active la garde, on est bien. Ok, double SP. Chaque fois qu'il part en SP, je crois qu'il gagne 50% de def en plus. Donc là, il devrait être assez tanky. Ah, la garde n'a pas été activée. D'accord. Bon, on s'en sort pas trop mal. Bon, ça fufu. Alors, 200 000. Lui, il a la réduction de dégâts. Je pense que je vais mettre. Faire ça, je vais me sourire comme je peux. Laisser l'équiver. Tac. Ah merde. Bon, tant pis, je vais prendre ça. Je vais quand même item. Parce que. En vrai, en vrai. Je pense qu'on aurait survécu. C'est juste qu'au fait, c'est 13. Même si la s'est transformé, 200 000, c'est bien, mais. En 4 SP, je pourrais mourir. Alors que sur C17, enfin, super C17, on craint rien. Ah, 3 500 000. Lui, en fait, il faut qu'il passe ZTR. Et là, ça serait parfait. Là, on aura vraiment la team parfaite. C'est juste que je trouve que le leader, il n'est pas exceptionnel. Correct, hein, mais par rapport aux autres unités. Lui, il revient de très très loin. Bam. Oh, le virus. Le virus qui se fait saouler par des cyborgs. Bon, ne vendons pas la peau de l'ours, il reste 3 barres. Et nous, il nous reste aussi 3 barres de vie. Hein. Enfin, 3 petites barres. Maintenant, j'ai favorisé les teams qui sont capables de gérer ce genre de combat, tu vois. Nous sortons de 2000. Allez. L'aspect sur le duo LR. Alors, c'est un petit peu fragile avant de partir en speed quand même. C'est vrai qu'il gagne des stats après l'aspect. Il gagne 78%. Ah, dommage, pas la double SP. Oh, une autre auto-attaque. C'est dommage. Ah, l'aspect sur le ZDLR. Oups. On n'est pas très loin, là. Il nous reste le petit trait, les amis. Aïe. Tout va se jouer sur la dernière rotation. Oh là là, la double SP. C'est tellement dommage que j'ai pas davantage de doublons pour les faire sublimer davantage. Tu vois. Il reste une petite barre. Ah, ils sont monstrueux. Hein. Bon, il y a peut-être moins qui termine le combat, lui. Hein. S'il crit, t'es un beau gosse. Ah non, dommage. Bon, tout va se jouer là-dessus. Soit on crève, soit on GG. S'il part pas, on se fait tout de suite. On a une chance. 2, 3. C'est pas fini. Je suis pas sûr qu'on va le tuer avec cette attaque.
Sauf si crit. Oh shit. Ok. Ah là, c'est 13. Je voudrais pas dire, mais tout repose sur toi là. Tout repose sur toi. C'est passé. C'est passé, c'était mon premier essai. Hein. Premier essai. Et c'est passé. Bon, il me reste un trait, mais et pour un premier essai, c'est pas mal du tout. Hein. Bon, j'ai eu un peu, comment dire, d'un côté, j'ai pas eu de chance avec l'aspect dès le début, là, qui m'a arraché 300 000. Eh, battu mon record, les gars. J'ai gagné une minute. C'était quoi ma précédente team? Je crois que c'était Végéto, de mémoire. Non, je sais plus. Mais voilà, les amis, on a fait un meilleur score. La team Cyborg, c'est incroyable. La team ZTUR, ZLR, ZTUR-C16. C'est que des en fait, il n'y a que des ZTUR et ZLR, excepté le nouveau Dokkenfest et excepté les deux leaders. Donc voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Virus, on l'a graillé, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de cette team Cyborg. Hein. Franchement, en fait, la team Cyborg, elle a pris un up comme l'univers 7 lors de l'anniversaire des 6 ans. Les 6 ans avant, enfin, l'univers 7 avant les 6 ans, hein, faut être honnête, hein, c'était un peu moyen tiers. Avec les deux LR des 6 ans, bim, ils sont revenus dans le game de ouf, tu vois. Pareil pour Cyborg, jusqu'à présent, Cyborg c'était moins tiers, tu vois, voire bof tiers. Là maintenant, c'est. Ah ouais, tiers. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à acheter vos jeux en passant par le lien Instant Gaming qui se trouve dans la description. En période de fête, il y a pas mal de promos. Les jeux coûtent en moyenne 20% moins cher et puis ça peut monter jusqu'à 40%. Donc n'hésitez pas à faire vos achats en passant par Instant Gaming. Et puis à chaque fois que vous faites un achat, vous soutenez la chaîne. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui font ce geste quotidiennement. Sur ce, passez une très bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao.